Vous allez bien? Ça va. Vous êtes là ce soir pour remercier quelqu'un, mais aussi pour leur demander quelque chose. Exactement. Qui sont les personnes que vous avez souhaité que nous invitions? Ben, c'est ma famille d'accueil, dans laquelle j'y suis placée depuis déjà 17 ans. Vous avez quel âge, donc? Maintenant, j'ai 19 ans. Donc, vous aviez 2 ans. À l'âge de 2 ans, exactement. Et qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ben, aujourd'hui, je voudrais déjà les remercier pour tout le bonheur qu'ils m'ont apporté dans la vie. Leur remercier pour toutes les choses qu'ils ont pu faire pour m'aider à devenir ce que je suis aujourd'hui. Et d'autre part, remercier toutes les personnes, comme ma famille d'accueil, qui sont généreuses. Mais vous avez, je crois, aussi quelque chose d'autre à leur demander ce soir. Oui, aujourd'hui, je voudrais leur demander donc de porter leur nom de famille, donc leur demander de m'adopter. Officiellement. Officiellement. Car pour moi, une famille, ce n'est pas par le lien de sang, mais par le lien du cœur. Et ces liens du cœur, ils durent avec Marie-Thérèse et Yves, ce sont vos parents d'accueil. Ils durent depuis 17 ans, vous le disiez, vous aviez 2 ans et demi quand vous avez enfin compris et rencontré le bonheur. En arrivant au monde, un enfant ne choisit pas son destin. À peine 2 ans et Sandra est placée en famille d'accueil en raison des difficultés que rencontrent ses parents d'origine. Sa nouvelle famille, la voilà. Une maman, Marie-Thérèse, un papa, Yves, et une, deux, trois sœurs. Sandra est donc la petite dernière dans un portrait de famille en rose. Elle grandit heureuse et voit défiler les bras tendres et pleins d'amour de ceux qui l'entourent. Dans cette tribu-là, le bonheur est un quotidien. On s'aime, on se protège, on est toujours là. Marie-Thérèse et Yves élèvent Sandra et la couvrent d'attention comme si elle était leur propre fille. Trois sœurs pour tendresse et confidence, Sandra découvre au fil du temps la vie rêvée d'un ange. Et puis un jour, elle se demande pourquoi elle n'est pas née dans cette famille-là. Quelle injustice, quelle différence. Pour elle, il n'en existe pas. Les liens du cœur sont plus forts que les liens du sang. Sandra, à cette époque, n'a pas rompu tout lien avec sa famille d'origine. Et ceci est un obstacle pour arriver à son rêve, l'adoption. Mais dans son cœur, ses vrais parents sont Yves et Marie-Thérèse. Et c'est leur nom qu'elle veut porter. Aujourd'hui, Sandra a décidé que les lois de son cœur seraient plus fortes que celles de la vie. Elle veut effacer toute différence avec ceux qui l'ont élevée et aimée comme leur propre fille. À 19 ans, Sandra peut enfin être adoptée. Elle souhaite que son rêve se réalise et ce soir, c'est une demande officielle qu'elle fait à son papa et à sa maman de cœur. Comment Marie-Thérèse et Yves vont-ils le vivre? Bien raconté. Magnifique. Avec votre aide et vos photos et vos documents que vous nous avez gentiment prêtés pour qu'on raconte une petite partie de votre histoire. Ouais. Quand on a 2 ans et demi et qu'on rencontre de nouveaux parents, j'imagine qu'on ne se pose pas de questions, ce sont eux vos vrais parents? Pour moi, ce sont eux, oui. Tout de suite, hein? Oui. Vous n'êtes pas arrivé dans cette famille à 8 ou 9 ans où on sait déjà qu'on a un passé. À 2 ans et demi, on a un passé inconscient et c'est important, mais quelque part, on s'acclimate vite dans cette nouvelle famille. Oui, oui, oui. Je me suis très vite adaptée à eux. Vous saviez depuis le départ, dès 5 ans, 6 ans, 7 ans, que ce n'étaient pas vos vrais parents? Ils vous l'ont tout de suite dit? Ils me l'ont tout de suite dit. Vous l'avez toujours su quelque part? Je l'ai toujours su, oui. Que vous étiez un enfant adopté? Oui. Protégé en tout cas, parce que pas encore véritablement adopté. Cette famille formidable compte 3 filles, mais au sens biologique du terme. Ouais, ouais, ouais. Comment elles se sont conduites avec vous pendant toutes ces années? Elles m'ont pris comme leur sœur. Pour elles, j'étais leur petite sœur, elles me protégeaient. Elles étaient toujours là pour moi, pareil. Pas de mots déplacés, vous savez, parfois dans les bruits d'enfants, on a des mots méchants, du genre t'es pas notre vraie sœur, ou t'es pas... Au moment de l'enfance ou de l'adolescence, il n'y a jamais eu des petites crises comme ça? Non, il n'y a jamais eu de soucis par rapport à ça. Elles étaient toujours là, formidables. Et là, toujours à mes côtés. Et là, vous pensez qu'elles elles seront tout à fait d'accord pour que vous soyez adoptée officiellement et que vous deveniez un membre de la famille à part entière? Elles sont d'accord pour que je me fasse adopter. C'est important le soutien qu'elles vous apportent? Oui. Elles vous auraient dit non, elles vous auraient dit ça nous gêne, on n'a pas envie et... On t'aime comme une sœur, mais quelque part, c'est un acte un peu fort, peut-être, que tu demandes.
Bah, vous auriez reculé? Oui. Ouais. Si elle ne m'avait pas confirmé qu'elle le voulait, je ne serais pas là aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que Marie-Thérèse et Yves vont être surpris ce soir de vous voir? Oui, je le pense. Ils ne savent pas pourquoi ils viennent à la télé? Non, du tout. Alors, on va les accueillir et vous allez pouvoir à la fois leur rendre cet hommage et puis leur demander cette adoption, ce signe fort. On va les accueillir tout de suite. On vous laisse patienter quelques petites minutes. À tout de suite. Marie-Thérèse et Yves qui doivent, Laurent, se trouver normalement... Oui, qui ont dû répondre... aux côtés de Rebecca. Qui ont dû répondre, nous dit-on, à l'invitation de Rebecca. Rebecca, vous nous confirmez, hein, vous êtes bien avec Marie-Thérèse et Yves. Je vous le confirme. Merci, Rebecca. Alors, c'est super mignon parce que Marie-Thérèse et Yves, ils ont fêté leurs 40 ans de mariage en novembre, c'est bien ça? Novembre dernier, oui. Et ils sont main dans la main depuis tout à l'heure, et l'un et l'autre, ils n'arrêtent pas de dire « Tu trembles, hein, non, toi, tu trembles plus fort que moi. » Finalement, lequel des deux est le plus détendu? Ben, je crois que c'est mon épouse. C'est Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Bon, Marie-Thérèse, vous allez l'aider parce que vous allez aller sur le plateau. Donc, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonsoir Marie-Thérèse. Bonsoir. 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 Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je vous en prie. Je présente Laurent. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Laurent, asseyez-vous, je vous en prie. On vous a préparé deux petites places pour Hop là. Vous faire face. Vous quittez jamais de la main comme ça depuis 40 ans? Non. Ah non, vous savez Marie-Thérèse. Main dans la main. Main dans la main. Yeah. C'est important. Il faut bien. Hein. Bien sûr qu'il faut bien. C'est super. On est ravis de vous recevoir. Vous savez que si vous êtes ici, c'est parce que quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire. Cette personne est sur le plateau déjà. Nous l'avons accueillie il y a quelques instants. Elle se trouve de l'autre côté de ce rideau. Est-ce que vous avez une petite idée? Non. Bien, on a cherché, on a interrogé nos enfants, mais rien n'a filtré. Alors et des amis, des gens que vous n'avez pas vu depuis longtemps? On n'a pas pensé. On peut vous donner un indice pour essayer de vous faire deviner de qui il s'agit. Regardez cet écran, quelqu'un va vous parler. Marie-Thérèse et Yves, vous êtes plutôt du genre à penser d'abord à vous ou d'abord aux autres? Ah! La question se suffit à elle-même. Est-ce que vous pensez d'abord à vous? Et on voit que vous êtes un couple très uni. Et souvent, quand on est un couple très uni, on a protégé une petite bulle autour de ce couple, même si on se connaît depuis très très longtemps. Ou est-ce que vous êtes très ouvert sur les autres et vous ouvrez votre cœur grand aux autres? Grand aux autres. On fait beaucoup, oui. Oui. Grand aux autres, oui. Mm-hmm. Grand aux autres. Alors, est-ce que vous aimez rendre service? Vous aimez rendre service? Vous en avez presque besoin? Oh, pratiquement, oui. Est-ce que vous voulez savoir, tous les deux, vous savez que vous êtes totalement libre dans cette émission, vous pouvez nous dire à n'importe quel moment, bah, écoutez, on va peut-être rentrer à la maison, finalement, on va s'arrêter là. Mais est-ce que vous voulez savoir qui vous a invité? Oh, ben, bien sûr. Ah, oui. Oui. Marie-Thérèse, on est d'accord? L'Alsace, on va rester jusqu'au bout. Ah ben, ouais. On en est ravis. Problème. Je vais vous proposer de regarder à nouveau cet écran et le visage de la personne qui vous a invité va y apparaître dans quelques petites secondes. Sandra? Bonsoir. Sandra. Ah, la surprise. Ça va? Ça va. Ouais. Ça va, ma bichette. Ça va, bichette? Oh, ma lidon. Je croyais à Colmar. Et non. Je croyais que tu devais récupérer ton stage en cardiologie. Et non. À l'école d'infirmière. Ah, elle a fait un petit mensonge. Pour la bonne cause. Pour la bonne cause, peut-être. Est-ce que vous voulez savoir ce que Sandra ah ben bien sûr. Est venue ah, vous oui. dire ce soir? Tout à fait. Tout à fait? Tout à fait. Oui. Sandra, alors, maman, ma belle, c'est à vous. Maman, papou, alors si ce soir je vous ai fait venir sur ce plateau, c'est déjà pour vous dire un grand merci. Merci à tout le bonheur que vous m'avez apporté dans ma vie. Et puis, essentiellement pour une chose qui me semble très importante à mon cœur. Ça fait déjà 17 ans que je suis dans votre famille, 17 ans que je suis avec vous,
Et depuis tout ce temps, je vous aime. C'est la première fois que je vous le dis et c'est franchement sincère. Je vous aime. Et maintenant, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous voulez bien m'adopter? Est-ce que vous voulez bien que je porte votre nom de famille? Ah, tout de suite. Tout de suite. Vous connaissez le Boutchou depuis combien de temps? Eh bien, c'est une petite fille qu'on a eue à l'âge de 23 mois, de la DAS, et qui n'était pas adoptable, et que nous avons élevée jusqu'à maintenant, qui est toujours avec nous. Ça fait 17 ans. Et maintenant, elle est à l'école d'infirmière. Petite fille numéro 4. C'est cela. Oui. Aujourd'hui, c'est possible légalement, techniquement, on va dire. Et c'est facile? Ah, mais il n'y a aucun problème. Parce que c'est vraiment notre quatrième fille. C'est important pour vous aussi de pouvoir lui donner aujourd'hui votre nom, après lui avoir donné tant d'amour et de bonheur. On a élevé comme nos trois filles, nos trois propres filles. Pour nous, c'est la quatrième et c'est la sœur des autres. Vous savez qu'elle a demandé à ses trois sœurs, à ses trois plus grandes sœurs, l'autorisation de venir ce soir, et elle le fait avec leur soutien d'ailleurs. Elle ne le fait pas dans leur dos, vous l'imaginez bien. Ça vous touche que vos quatre filles soient d'accord pour cet acte d'amour supplémentaire, si j'ose dire? Beaucoup. C'est dans cet esprit que vous les avez élevées? Oui, surtout. Oui. Vous êtes fière de cette petite dernière? Oh, oui. Ah oui, beaucoup. Elle nous a toujours donné satisfaction. Toujours. Alors, Marie-Thérèse et Yves, je vais vous demander de vous lever. C'est le principe de cette émission, de vous placer, s'il vous plaît, tous les deux face à ce rideau. Un rideau qui va évidemment s'ouvrir, puisque vous avez déjà répondu favorablement à la demande de Sandra, qui était venue, c'est important. Elle a dit, c'est la première fois que je vous le dis, je vous dis je t'aime ce soir. On va vous laisser la retrouver. Allez-y. Vous me faites pleurer. Vous me faites pleurer. Quelle surprise que tu nous as fait là. Bien lu, hein. C'était un pieux mensonge, comme on dit. Je crois qu'elle n'a pas dû vous mentir souvent dans sa vie, mais aujourd'hui, elle voulait vous faire cette surprise. Et elle n'a pas dit quelque chose, mais elle nous l'a dit à nous avant de vous recevoir sur le plateau. Elle a dit qu'elle voulait aussi, par cet hommage qu'elle vous rend, rendre hommage à toutes les personnes généreuses, car il y en a, heureusement, de votre sorte, qui savent ouvrir leur cœur et leur maison. Et qui prouve, Pascal, que pour paraphraser notre émission, presque la paraphraser, il n'y a que l'amour qui compte, en réalité. Hein. On vous laisse repartir, tous les trois. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, merci. Merci beaucoup. Bravo pour toi, c'est l'infirmière. Allez.